Le smartphone Meizu Zero possède un design innovant. Le 23 janvier 2019, Meizu a créé la surprise en présentant son nouveau smartphone. Le constructeur chinois a dévoilé le Meizu Zero, un modèle novateur qui ne comporte pas de bouton physique ou de connectique. Pas de bouton physique pour le smartphone Meizu Zero. L'une des particularités du Meizu Zero est l'absence de bouton physique. En effet, ce smartphone est doté d'une coque céramique 3D sur laquelle il n'existe pas de touche. Par exemple, le réglage du volume se fait virtuellement, tout comme le contrôle de l'alimentation. L'utilisateur de ce téléphone mobile aura droit à un retour haptique. De plus, ce terminal ne comporte pas de grille de haut-parleur. Le boîtier de ce modèle n'inclut aucune connectique. L'absence de connectique est une autre caractéristique de ce smartphone. Le fabricant chinois a développé un téléphone mobile qui ne possède aucune prise USB ou de port pour la recharge ou la connexion d'un périphérique. Le chargement du Meizu Zero se fera par induction via la technologie M-Charge mise au point par la société. Certaines caractéristiques techniques de ce terminal. Le Meizu Zero est équipé d'un écran AMOLED de 5,99 pouces sous lequel a été placé le capteur d'empreinte digitale. Le smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845 qui est associé à 6 Go de mémoire vive. En ce qui concerne la photographie, cet appareil intègre un double capteur photo de 12 et 20 mégapixels respectivement. La technologie eSIM a été privilégiée par le constructeur. Pas de carte SIM pour le Meizu Zero. Le fabricant a privilégié la variante eSIM comme sur les iPhones les plus récents. Pour le moment, Meizu n'a pas indiqué de prix ou de date de commercialisation pour ce smartphone qui devrait concurrencer le Vivo Apex 2019.